Didier Wadi, c'est je suis un Africain avec un passeport sénégalais. Je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié au Sénégal. Donc voilà, d'un père béninois, d'une mère capverdienne. Mon père, il a des ramifications jusqu'au Nigeria. Ma mère, des ramifications jusqu'en Guinée-Bissau. En 3 ans de carrière, revenir dessus, c'est difficile, mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Positive Black Soul a été mon premier groupe professionnellement. On a démarré en 89 et très vite, on a été inspiré par des gens comme Cheikh Anta Diop, parce qu'on avait des grands frères qui nous abreuvaient de ces connaissances-là, comme Malcolm X. En terminale, on nous fait découvrir le message de Grassroots de Malcolm X en 63 dans une cassette. Et ça a changé notre vie. Voilà, on a été inspiré très tôt par des figures du panafricanisme et ça s'est retrouvé dans notre combat idéologique dans Positive Black Soul. Déjà, le nom Positive Black Soul, c'était un nom, la positivité dans l'âme noire. C'était par rapport à toutes ces thèses de Cheikh Anta qui remettaient le noir au centre du monde et avec fierté et sans exclusion. Nous revendiquions donc qui nous étions, donc avec Positive Black Soul on a fait une belle carrière et on est allé un peu partout dans le monde et c'est vers 2001 qu'on a commencé à faire des projets en solo et depuis lors j'ai fait donc 6 albums en solo et le 7e sort le 15 octobre 2022 Inch'Allah. La relation que j'ai avec Thomas Sankara, aujourd'hui au Burkina, il y en a qui disent je suis le troisième fils. Et ils me le disent et je l'accepte avec beaucoup d'honneur. Non, je suis, c'est mon marabout, c'est mon maître à penser, c'est mon guide spirituel, voilà. Parce que bon, tout simplement, voilà, ce monsieur qui en 4 ans a montré que beaucoup de choses étaient possibles en Afrique, l'autosuffisance c'est possible, on peut avoir des grosses avancées sur la santé, réaliser des projets en comptant sur nous-mêmes, on peut être décomplexé, il nous a appris qu'on avait une place et qu'on peut y arriver quoi, si on croit en l'Afrique, rien n'est impossible. Donc c'est ce qui fait que Sankara, et chaque fois que on se met à réfléchir sur sa trajectoire de vie, on se dit waouh, il a vraiment réussi, il a vraiment été sincère. Donc on essaye de s'approcher de cet idéal que Sankara nous a mis jusqu'à... il nous a mis cet idéal, il est mort pour cet idéal. Donc tous les jours nous devons essayer de vivre comme Sankara. Pas pour le faire revivre, pas dans un esprit nostalgique, mais parce qu'on s'est dit, bon écoute, pour construire ce continent, il nous a donné quand même des voies. Aujourd'hui, les gens voient l'exemple en Afrique, l'exemple du Rwanda. Et quand on demande au président rwandais, mais c'est quoi votre modèle? Il dit, c'est le modèle sankariste. Donc voilà, aujourd'hui, si le Rwanda est un modèle, il s'inspire de Sankara. Donc je ne peux pas mieux faire, je ne peux pas mieux dire. Oui, pour son procès, on est venu le jour où ça devait s'ouvrir. Bon, les autorités ont repoussé ça. Mais il fallait qu'on soit là-bas le jour de l'ouverture du procès parce que il y a un disciple d'ailleurs de Cheikh Anta qui s'appelle Aziz Salman Fall qui s'était battu pour que ce procès ait lieu avec la famille Sankara et tout un comité. Et nous, on suit ça depuis tellement longtemps. Donc, il fallait qu'on soit là-bas. Et aujourd'hui, la justice a rendu son verdict. Malheureusement, Blaise est encore libre. Il vient au Burkina en ex-chef d'État, en jet privé, s'il vous plaît. Oui, mais au moins, on sait que la justice a été dite. Même si on se moque un peu de nous, la justice a été dite. Non,
une géométrie doit s'appliquer partout. Mais on se rend compte que sous certaines latitudes, elle varie. Et c'est ça qui n'est pas normal, qui n'est pas juste. C'est pour ça qu'on s'insurge. Le traitement d'un réfugié, qu'il vienne d'Ukraine, qu'il soit blanc ou noir, n'est jamais le même. Le traitement d'une guerre africaine ou d'une guerre européenne ou asiatique n'est jamais le même. Le traitement des maladies, le paludisme, tout le monde s'en fout. Mais si c'était une maladie qui touchait au nord, on trouve tout de suite le vaccin. Vous avez vu Covid, comment le vaccin est vite sorti? Palud, là, on s'en fout, il n'y a toujours pas de vaccin. Parce que ça ne les touche pas, tu vois. Tout ça, c'est de la géométrie variable. Et donc, à un moment, il faut que nous aussi, on apprenne à dire non. Tu vois, il y a un livre dont j'ai emprunté le titre, de Amadou Kourouma. C'est le titre de mon prochain album. Quand on refuse, on dit non. Il faut qu'on s'habitue à dire non. Et nous, on aime trop dire oui, mais bon, c'est-à-dire, mais bon. Et toujours aller trouver des excuses aux Européens. Non. On voit un Macron qui vient au Cameroun et qui dit je vous regarde en face et je dis vous êtes hypocrite par rapport à la question de la guerre ukrainienne. Il nous traite d'hypocrite, Macron. Et nous, on ne réagit pas. Tu vois, moi j'aurais voulu que tout le monde lui dise on t'emmerde, c'est toi qui es hypocrite. Je me demande comment il reste debout devant les gens et personne n'a réagi. Être hypocrite, c'est quand même une insulte. Personne n'a réagi. Donc nous aussi, on lui rend l'insulte. L'hypocrite, c'est toi. Tu vois, et il faut qu'on apprenne à faire ça. Tu vois, Malcolm X, que j'aime beaucoup aussi, il dit que lui, c'est pas du genre à donner l'autre joue. Il dit un eye for an eye, a tooth for a tooth, and a life for a life. Il dit que ça, c'est la meilleure religion. Il dit, mais la religion, on te dit, voici, c'est un chrétien qui parle. Hein. La religion, on te dit, si on te gifle sur la joue gauche, là, donne la joue droite là-haut. Ça, c'est pas nous. La nouvelle génération, tu nous gifles, on te gifle. Le 15 octobre, on va sortir cet album. Mais avant ça, justement, il y aura le single éponyme qui va sortir. Pour le 15 octobre. Il y en a qui me proposent de le sortir à Ouagadougou, anniversaire du décès de Sankara. Donc on risque de sortir l'album à Ouagadougou. On est en train de voir, mais il y aura des sorties dans beaucoup de pays. Tout de suite, là, j'étais en train de caler à Abidjan avec un ami. Donc au Sénégal aussi. C'est autour de la période du 15 octobre que l'album va être sorti dans beaucoup de pays. Donc il y a des pays qui sont très importants, le Mali notamment. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est un concentré de beaucoup de nos mots avec M-A-U-X. Donc, il faut forcément aller là-bas pour sortir cet album. Ici, à Dakar, c'est la maison. Donc, forcément, il faut qu'il y ait quelque chose. Et ensuite, quand l'album sera sorti, on fera des tournées, des concerts. On va reprendre la route. On me pose la question souvent, est-ce que je veux faire de la politique? Mais je fais déjà de la politique, je suis extrêmement politisé. Est-ce que je veux devenir un politicien? Non. Parce qu'être politicien, tu es dans un groupe, tu dépends d'un groupe, un groupe de personnes. Même une association, non, c'est pas pour moi. Je suis très libre, j'ai besoin de ma liberté. Je ne veux pas qu'on me dise quand parler, pourquoi parler, comment parler, à qui s'adresser, à qui ne pas s'adresser. Je tiens à cette liberté. Elle est comprise, pas comprise. Parce qu'on me dit, ouais, on ne comprend pas pourquoi tu n'es pas avec elle. Pourtant, vous dites à peu près la même chose. Non. J'ai envie d'être libre, tireur d'élite, seul, sniper. Voilà. Et donc, la politique, non, ça ne m'intéresse pas. Politicienne, hein, dans le cadre d'un parti. Mais je suis extrêmement politisé, je le reste. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans un parti. Ou bien d'essayer d'être à une station spéciale pour être heureux. Mon bonheur, je le vis totalement. Aujourd'hui, je dis aux gens, je suis très heureux. Mais pourquoi? Parce que je suis très libre. Le message, c'est quand on refuse, on dit non.
Il faut qu'aujourd'hui on soit clair, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre projet? Sachant définir nos projets et par rapport à rester droit dans nos bottes, par rapport à qu'est-ce qu'on veut et comment on le veut. Quand on refuse, on dit non. Thank you.